Vous me l'aviez promis. Quelle beauté. Je crois vraiment qu'il faut commencer hein, par le livre 4. Pas d'inconvénient. Parce que si on commence par le livre 4, on est davantage frappé par ceci que de toute évidence il y avait une suite. Que le livre 4 n'est pas le dernier. Quoi. Tandis que si on commence par 1, on arrive à 4 et on se dit bon. Qui c'est qui n'a pas lu le livre 4 ? C'est bien. Bon. Alors, notre thème pendant tout le premier trimestre, ça a été « Crise de la vérité sous l'effet du temps ». Bon, alors je ne voudrais pas à nouveau faire un résumé, mais je voudrais presque relancer à partir de ce qu'on peut estimer avoir obtenu, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en essayant de rajouter juste assez de quoi continuer. Et ce que j'avais essayé de faire dans cette première partie, cette crise de la vérité sous l'effet du temps, c'était m'appuyer sur des auteurs, et encore une fois, mon scrupule, mon inquiétude, c'est que vous puissiez en conclure que ces auteurs, après tout, disent des choses un peu semblables, surtout pas. Puisqu'on avait vu des auteurs dans des directions très différentes, de nature eux-mêmes très différents. Et on s'était appuyé sur des philosophes qui déjà étaient très distincts entre eux. Avant tout Platon, les sophistes, Nietzsche. Et puis on s'était appuyé sur des écrivains, surtout Melville, Robe Grillet, un peu du nouveau roman. Et puis, on avait fait des allusions au cinéma, mais en laissant cet aspect très allusif. Maintenant, ce second trimestre, je pense que les proportions seront peut-être changées, mais on gardera ces trois références, au moins. Peut-être qu'il faudra en ajouter d'autres. Or, je dis, voilà le premier point qui m'importe. Qu'on aura à le retrouver. C'est que la mise en crise de la vérité se fait effectivement sous l'effet du temps, mais non pas sous l'effet du temps par rapport à son contenu, à savoir le contenu du temps, c'est le changement, c'est ce qui change. Or, ce n'est pas par rapport à son contenu que le temps met en question la notion de vérité, c'est dans sa forme ou dans sa force, pour reprendre l'expression de Comtesse. C'est donc la forme ou la force du temps qui met en question la vérité, et sous deux aspects qui ont fait de tout temps l'objet des grands paradoxes de l'Antiquité. Si je rappelle brièvement ces paradoxes, c'est un double paradoxe. Double paradoxe connu sous le nom de
quand on l'unifie, le paradoxe des futurs contingents. Dans une de ces expressions qui concerne, et les deux aspects concernent essentiellement la forme ou la force du temps. Ils ne concernent pas du tout le temps envisagé dans son contenu variable. Dans l'un de ces aspects, le paradoxe nous dit « du possible procède l'impossible ». Une fois, ce qui veut dire une chose très simple. Lorsque je dis peut-être qu'il y aura une bataille navale demain, eh bien, de ce que la bataille navale peut ne pas avoir lieu, il y en aura peut-être une demain, de ce que la bataille navale peut ne pas avoir lieu, découle, si elle a lieu, l'impossibilité qu'elle n'ait pas eu lieu. Du possible procède l'impossible. Deuxième expression du paradoxe, le passé n'est pas nécessairement vrai. On a vu que c'était les deux pinces de ce paradoxe du futur des futurs contingents. Et je n'avais pas cité parce que je ne l'avais pas en mémoire, mais comme c'est un livre dont nous servirons dans ce second trimestre, c'est le moment. J'avais complètement oublié que dans un de ses plus beaux livres, Kierkegaard, dans Les miettes philosophiques, consacre toute une partie dont je vous lis uniquement le titre général. Puisqu'on aura à retrouver ce texte. Sous le titre « Intermède », « Le passé est-il plus nécessaire que l'avenir ?» Point d'interrogation. « Où, dit-il, pour être devenu réel, le possible en est-il devenu plus nécessaire qu'il ne l'est ?» On retrouve exactement nos deux pinces. Et en effet, tout le chapitre de Kierkegaard porte sur une reprise moderne du paradoxe antique des futurs contingents. Voilà donc le premier point. Ce premier point signifie en quel sens la forme ou la force du temps suffit à mettre en crise la notion de vérité. Mon deuxième point, où là je voudrais reprendre pour rajouter des choses, c'est qu'est-ce qui entre en crise au juste sous cet effet de la forme ou de la force du temps. Ce qui entre en crise, c'est, nous l'avons vu, la forme organique du vrai. Et du modèle supra-organique que cette forme suppose. Ce qui entre en crise, c'est donc la forme organique du vrai et son modèle. On avait vu toute cette histoire, notamment détaillée par, et dans son œuvre entière, par Herman Melville. Or, si ce qui entre en crise, c'est la forme organique du vrai, comprenez que on va avoir une série d'oppositions. Entre les différents aspects du concept de vérité, d'une part, et d'autre part, sa mise en question. À chaque aspect du concept de vérité s'opposera une mise en question de cet aspect
sous la forme ou la force du temps. Et maintenant, je suis en mesure de distinguer 1, 2, 3, 4, 5, 5 aspects. Premier aspect, le concept de vérité renvoie à une description qu'on peut appeler organique. Qu'est-ce qu'une description organique? C'est une description, on l'a vu, c'est une description qui présuppose l'indépendance de son objet. Je ne reviens pas là-dessus, je rappelle juste qu'il faut bien que vous compreniez ce que signifie présuppose. Ça ne signifie pas que, en fait, l'objet soit réellement distinct de la description que j'en fais. En effet, peut-être que l'objet n'existe pas. Lorsque je décris une licorne, chacun sait qu'il n'y a pas de licorne. Ça n'empêche pas que c'est une description organique. Dans quelle mesure ? Dans la mesure où elle ne se fait pas sans présupposer l'indépendance de son objet. Que l'objet existe ou pas. La question ne porte pas sur l'existence de l'objet. Il porte sur le mode de la description. La description se fait en supposant qu'elle porte sur un objet distinct d'elle-même. À cet aspect de la vérité, vous voyez que déjà, lorsque je dis aspect de la vérité, bien sûr, l'aspect de la vérité comprend la possibilité du faux. C'est pas le faux qui nous fait sortir du concept de vérité. Au contraire, la possibilité du faux est inscrite dans le concept de vérité. Si je dis j'ai rencontré une licorne, c'est une proposition fausse, bon, mais elle ne met pas du tout en question le concept de vérité, absolument pas. Et pourquoi ? Parce qu'elle repose sur une description organique, c'est-à-dire une description qui présuppose l'indépendance de son objet. À cet aspect de la vérité, c'est-à-dire la vérité comme description organique, s'oppose, on l'a vu, une toute autre conception de la description. Cette nouvelle description, c'est une description qui remplace son objet. Qu'est-ce que ça veut dire à cet égard ? Je disais, ce qui est très important dans la logique, pour la philosophie, pour la critique d'art, je crois, pour toutes sortes de choses. C'est pour le cinéma aussi, on essaiera de le voir tout à l'heure. C'est ce qui est très important théoriquement, ce serait une théorie des descriptions. La description, c'est pas la même chose qu'une proposition. Tenir une théorie des descriptions, je crois que la description, elle est toujours de base. Elle est toujours vraiment base. Les propositions renvoient à des descriptions implicites. Donc, encore une fois, je vous disais l'importance de Russell. Lorsque, parmi les premiers, il fait une théorie des descriptions sur laquelle reposera toute sa logique. Mais donc, cette description qui s'oppose à la description organique du vrai, c'est, on reprenait les termes de Rodriguez, dont je crois la théorie de la description est une des choses les plus fondamentales. Quoi que la pensée, bien qu'elle ne soit pas longue, bien que ce ne soit pas très étendu sur ce point, quoi, il nous dit, les descriptions que je fais, nous dit-il, ce sont des descriptions qui remplacent
leur objet. Qu'est-ce que ça veut dire à la fois? Il précise, eh bien, simultanément, elles gomment l'objet et créent l'objet. Ça ne doit pas être le même. Elles gomment un objet et en créent un autre. Mais dans les deux cas, aussi bien sous la forme gommée et effacée que sous la forme créée, la description ne présuppose plus l'indépendance de son objet. Au contraire, elle exclut l'indépendance de son objet. Elle l'exclut deux fois, d'une part parce qu'elle l'efface en le décrivant, et d'autre part parce qu'elle le crée en le décrivant. Deuxième point, ceux qui sont au fond, ils peuvent peut-être se... Il y a de la place encore ici. Hein. Il fait beau, hein? Voilà donc le premier point. Le concept de vérité se présente d'abord sous l'aspect de la description et à ce titre, sa mise en question propose la description organique du vrai à une autre description, un tout autre type de description. Deuxième trait, ce n'est plus du point de vue de la description, mais c'est du point de vue de la distinction. Le concept de vérité implique une distinction organique. Il s'agit plus simplement de la description organique. Cette fois-ci, il s'agit de la distinction organique. De quoi? On l'a vu, du réel et de l'imaginaire. Cette distinction organique, telle qu'elle est déterminée par le concept de vérité, se présente sous quel aspect? Le réel est défini par la connexion légale et causale. Je sais que ma perception se prolonge dans des choses que je ne perçois pas, dans des séries que je ne perçois pas, que je pourrais percevoir et qui sont unies à ce que je perçois par des liens de causalité ou des liens de légalité. Derrière la porte, il y a un couloir. Derrière le couloir, au bout du couloir, il y a un escalier, etc., etc. Vous me direz, je le sais parce que je l'ai vu, qu'importe. Le réel se définira par un système de connexion légale et causale qui se prolonge hors de la conscience. L'imaginaire se définira au contraire par la pure présence à la conscience, ce qui est dans la conscience et n'est que dans la conscience. Ce qui disparaît hors de la conscience, ou aussi bien ce qui apparaît en elle capricieusement. Ce qui n'exclut pas que là-dessus, on puisse découvrir des lois de l'imaginaire. On parlera par exemple de condensation, de déplacement, de symbolisation.
Ça n'empêche pas, c'est loi de l'imaginaire, auront pour fonction de rendre compte des apparitions et disparitions capricieuses, c'est-à-dire seront distinctes en nature des lois et causalités physiques. Bien plus, je reprends le même argument, je pourrais toujours confondre l'imaginaire avec le réel. C'est ce qu'on appellera le faux, mais le faux, encore une fois, ne met nullement en question la distinction de droit du réel et de l'imaginaire. Le faux appartient pleinement, l'opération du faux appartient pleinement au concept de vérité et ne met pas en question le concept de vérité. Il met en question mon aptitude à atteindre au concept. Mais il n'est pas en question le concept lui-même. À cet aspect du concept de vérité, à ce deuxième aspect du concept de vérité, la distinction organique du réel et de l'imaginaire s'oppose. On l'a vu, un étrange aspect qui va exprimer la mise en question du concept de vérité sous la force du temps. Et c'est quoi cette fois-ci? Eh bien, c'est la position d'une, sous certaines conditions, ça veut dire quoi précisément? Celle où nous met la forme ou la force du temps quand elle met en question le concept de vérité, à savoir l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Qu'est-ce que signifie cette indiscernabilité? Je retiens juste nos résultats. C'est l'existence de véritables circuits où le réel et l'imaginaire courent l'un derrière l'autre et se réfléchissent l'un dans l'autre autour d'un point qu'on appellera point d'indiscernabilité. D'où troisième aspect. Cette fois-ci, le concept de vérité n'est plus envisagé ni du point de vue de la description, ni du point de vue de la distinction, mais du point de vue de la forme. Et là, on l'a vu, je retiens juste un résultat du premier trimestre. Du point de vue de la forme, il est vrai que là aussi, le concept de vérité renvoie à une forme organique. Donc, description organique, distinction organique, forme organique. La mise en question du concept de vérité sous l'effet du temps se présente au contraire dans ce que nous avions appelé formation cristalline. Qu'est-ce que c'est que ces formations cristallines? Pour le moment, on ne peut dire qu'une chose. Ce que nous appelons formation cristalline, même si on n'est pas encore en état de justifier le mot cristal, l'utilisation du mot cristal, ce sont les circuits dont nous venons de parler. Dès que je peux déterminer un circuit, et ça reste à déterminer, encore une fois, l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire, ça ne se passe pas dans nos têtes. Ça se passe dans des circuits qui sont aussi bien objectifs que subjectifs. Un circuit où le réel et l'imaginaire courent l'un derrière l'autre, se réfléchissent l'un dans l'autre, autour d'un point d'indiscernabilité,
C'est cela pour le moment que nous appelons une formation cristalline. Et notre opposition est celle de, comment dire, l'adorateur des formes organiques. C'est l'homme de la bonne volonté ou c'est l'homme véridique. Et le fabricant, le fabricateur des formations cristallines, qui est l'homme de la volonté mauvaise. Magnétiseur, télépathe, sorcier, suggestionneur, ces noms sont multiples. Bon. Comment se définissent ces formations cristallines? Je viens d'en donner une première définition. C'est le circuit autour du point d'indiscernabilité. Le circuit de course et de réflexion autour du point d'indiscernabilité. D'où, deuxième caractère immédiate, qu'est-ce que ce point d'indiscernabilité? Vous voyez, je distingue quand même dans la formation cristalline le circuit et le point d'indiscernabilité. Et vous sentez pourquoi? C'est que j'ai besoin de passer du dehors au dedans de la formation cristalline. Le fabricant de la formation cristalline est encore au dehors. Le circuit, c'est le pourtour de la formation cristalline. Ce sont les faces. Une face réelle, une face imaginaire qui se courent l'une derrière l'autre comme un lapin, et qu'est-ce qui court derrière un lapin en circuit, et un lévrier. C'est les chiens qui courent pas. Oui, enfin. Bon, non, c'est idiot. Bon. Mais le point d'indiscernabilité lui-même, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Le point d'indiscernabilité lui-même, c'est la perspective interne. Nous nous déclarons perspectivistes. Nietzsche ne cesse de se déclarer perspectiviste. Est-ce que ça veut dire? Notre situation est telle que nous voyons les choses toujours d'un certain point de vue, sous une perspective. Évidemment non, parce que si c'était ça, ce serait une platitude. Encore que ça compte. Mais justement, dire... Nous voyons les choses d'un certain point de vue sous une perspective. Par exemple, je vois une table sous une perspective. Quelques points de vue que je mette, c'est toujours un point de vue. Je n'ai jamais qu'un point de vue sur la table. C'est toutes les... pas du tout l'attitude, il y a eu des analyses très belles là-dessus. C'est la condition de la perception naturelle. Ça n'a jamais mis en question le concept de vérité. Pourquoi? Parce que c'est des perspectives externes. C'est même ce qui me permet de tourner autour de la chose, de changer de perspective. Comme dit l'autre, je vois toujours les choses par profil. Bon, c'est le statut de la perception naturelle. Bien loin de mettre en question le concept de vérité, c'est une dimension du concept de vérité. En effet, c'est ce que j'appellerais une perspective organique. Il y a toujours une perspective organique. Et c'est précisément la possibilité et la nécessité de changer perpétuellement de perspective organique qui renvoie à un sans perspective qui est le modèle supra-organique. Qu'est-ce que c'est que le sans perspective? C'est le concept. Le percept est toujours soumis à une perspective extrinsèque. Le concept est le sans perspective. Le cube perçu est toujours un profil de cube, le concept de cube est sans perspective.
c'est-à-dire vous pensez les six faces à la fois. Vous ne percevez jamais les six faces à la fois. Il faut faire le tour du cube. Mais les perspectives externes de la perception et le sans perspective du concept renvoient l'un à l'autre, se cautionnent l'un l'autre dans le concept de vérité. Et sous la forme organique du vrai. Au contraire, lorsque je parle d'une formation cristalline, il s'agit d'une perspective interne. Donnons-lui le nom qui nous avait bien plu, dérivé à la fois de la critique d'art, dérivé aussi de Melville, c'est une perspective dépravée. C'est-à-dire, c'est une perspective qui fait partie de l'ensemble ou du système, qui fait partie de la formation sur laquelle elle s'exerce. Il peut apparaître évident que tout art, que ce soit la peinture mais également l'architecture, procède par perspective dépravée. C'est-à-dire que le système inclut la perspective une table en peinture. Présente une perspective interne au système. Vous ne tournez pas autour de la table en peinture, je dis là des évidences grossières, et l'architecture a beau se faire en trois dimensions, elle implique également une intériorité de la perspective sur l'ensemble architectural même. Bien sûr, vous pouvez le voir du dehors et tourner autour, mais ce qui est intéressant, c'est les perspectives internes au système à trois dimensions. Et là, vous avez typiquement des perspectives qui ne peuvent pas être autre chose que des perspectives dépravées. En sens, toute formation d'art est une formation cristalline. Le point d'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire, c'est la perspective dépravée. Et sur ce caractère, donc notre troisième caractère, distinction des formes organiques et des formations cristallines, notre grande référence avait été Platon et la distinction que Platon propose dans le Sophiste entre, d'une part, les icônes et, d'autre part, les fantasmes. Si bien que c'est à ce niveau, troisième niveau, l'opposition de la forme organique du vrai et de la formation cristalline qui est la mise en question du vrai sous l'effet du temps, que l'on avait défini la puissance du foi. Ce qui met en question le concept de vérité, ce n'est pas le faux, voyez que tout ça se réunit, c'est le faux comme puissance, c'est la puissance du faux. Et qu'est-ce qui élève le faux à la puissance? Ce qui élève le faux à la puissance, c'est la forme ou la force du temps, telle que nous l'avons définie au début, sous son double aspect paradoxal. Tout se renvoie très bien. Quatrième aspect, celui-là il est nouveau, mais il vient à son heure, donc c'est pour ça que je fais à la fois un regroupement et... Vous suivez bien, il faudrait que ce soit limpide là maintenant, hein, puisque ça repose sur tout un trimestre. Mais il fait si beau que... Voyez, quatrième aspect, il me semble qu'il en découle. Quatrième aspect, je dirais, c'est... Quant au concept de vérité, non plus le point de vue de la description organique du vrai, non plus le point de vue de la distinction organique du vrai, non plus le point de vue de la forme organique du vrai, mais c'est le point de vue de l'enchaînement.
c'est l'enchaînement organique du vrai. Qu'est-ce que c'est que l'enchaînement organique du vrai? Ça renvoie à des choses que on avait plutôt fait l'année dernière et surtout l'année d'avant, et dont j'ai à nouveau besoin ici pour relancer mon analyse. L'enchaînement organique du vrai, c'est fondamentalement un enchaînement sensorimoteur. C'est un enchaînement sensorimoteur. C'est-à-dire, il consiste à enchaîner des situations et des actions, des milieux et des actions. Vous voyez pourquoi ? C'est forcé. Il faut que vous soyez sensible à la nécessité des conséquences. Si on part de la description organique du vrai, vous vous rappelez, c'est une description qui présuppose l'indépendance de son objet. L'indépendance de l'objet, c'est quoi? C'est l'existence d'un milieu bien qualifié. Ou d'une situation bien définie. Une situation bien définie s'enchaîne avec une action. Pourquoi? Parce que l'action, c'est une réaction à la situation. Du point de vue de l'enchaînement organique du vrai, vous avez ce que les autres années, on appelait une structure S1. De la situation à l'action. Ce qui signifie quoi? Que l'action réagit sur la situation. Pourquoi? Ben, tout ça. Pour la modifier ou pour la restaurer. Je dis d'un tel enchaînement sensorimoteur qu'il dépend fondamentalement et qu'il définit l'enchaînement véridique. Pourquoi? C'est l'aspect pragmatique du concept de vérité. Et là encore, je peux reprendre le même refrain, à savoir que le pragmatisme, au moins dans son sens le plus simple, n'a jamais mis en question le concept de vérité. Il est bien connu que certaines doctrines au XIXe siècle se sont appelées pragmatiques, venant d'Angleterre et d'Amérique, et définissaient la vérité par le mode et les résultats de l'action. On pourrait y voir une mise en question du concept de vérité. Bien plus, sous sa traduction la plus vulgaire, le pragmatisme devenait ceci et vrai ce qui réussit. Ce qui faisait dire que c'était une pensée bien américaine. Et on la prêtait. Et finalement, c'est important parce que on tendait à l'identifier au perspectivisme. Et en effet, les pragmatistes se déclaraient en même temps perspectivistes. Mais s'il s'agit de ce pragmatisme vulgaire, de ce pragmatisme tout simple, il n'y a rien qui mette en question le concept de vérité là-dedans. Car c'est évident que ce qui est vrai, c'est ce qui réussit. Je veux dire, une fois dit que ça ne veut pas dire forcément vous rendre riche, réussir. On ne voit pas une vérité qui échoue. Je veux dire, en mathématiques, est vrai ce qui réussit. C'est-à-dire, réussir signifie ici développer des conséquences. Ce qui n'a pas de conséquences, par définition, n'est pas vrai. Le triangle est vrai, pourquoi ? Ben parce que quelque chose en découle. Ce dont rien ne découle ne peut pas être vrai. Si bien que le pragmatisme ne fait que traduire au niveau d'un enchaînement organique le concept de vérité. Il ne le met pas du tout en question. Pas plus que tout à l'heure, le perspectivisme ne le mettait en question tant que les perspectives étaient externes.
Donc je dirais que l'enchaînement sensorimoteur est l'enchaînement organique du vrai. Un milieu se prolonge en action qui réagit sur le milieu, ou une situation se prolonge en action qui modifie la situation. C'est ce que Bergson appelait la reconnaissance automatique ou habituelle. Et en effet, de la situation à l'action, c'est la reconnaissance, c'est le mouvement même de la reconnaissance automatique ou habituelle. Je reprends deux exemples pour rendre claire cette définition de Bergson. La vache voit un brin d'herbe, une touffe d'herbe. Je vois mon ami Pierre. Qu'est-ce que veut dire reconnaître? La vache reconnaît l'herbe, je reconnais mon ami Pierre. Là, dans la rue, je dis, ah tiens, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Eh bien, c'est du niveau de la vache, c'est la même chose. Absolument. Cela veut dire que ma perception s'enchaîne avec des mouvements d'usage. C'est l'enchaînement de la situation avec des mouvements, c'est-à-dire l'enchaînement sensorimoteur, qui définit la connaissance. À savoir, la perception de la chose se prolonge en mouvement qui l'utilise. Quelle est la loi de cet enchaînement? De cet enchaînement organique. C'est vraiment un enchaînement organique dans les deux cas. Bon, la vache, elle voit une touffe d'herbe, elle la mange, elle a reconnu l'herbe. En d'autres termes, sa perception se prolonge en mécanisme moteur. Vous me direz, dans le cas de mon ami Pierre, exactement pareil. Je vois mon ami Pierre, j'ai dit, comment vas-tu ? Comment va ta mère? À propos, t'as vu ceci? Mon ami Pierre, ça se prolonge en quoi? En articulation d'usage, en articulation habituelle. Ce prolongement, il est très bizarre finalement, parce que comment le définir? Je veux dire, ça peut devenir plus intéressant. Reconnaître, pour la vache, reconnaître une touffe d'herbe, c'est aussi bien passer d'une touffe d'herbe à une autre. C'est quand on reconnaît une touffe d'herbe, hein. Eh bien oui, on la reconnaît, on y réagit, mais réagir, c'est quoi? C'est manger la touffe, mais c'est en même temps passer à la touffe suivante. C'est ça le prolongement sensorimoteur. Avec mon ami Pierre, c'est exactement pareil. Je passe d'un sujet à un autre. Comment vas-tu? Comment va ta mère? Et les enfants? D'une touffe à l'autre, hein? Ça se vaut. La conversation, comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle une conversation. C'est le passage d'une touffe à une autre. C'est notre manière d'être des vaches. C'est du prolongement sensorimoteur. En d'autres termes, la reconnaissance automatique ou habituelle. Elle consiste en quoi ? Je ne cesse de passer d'un objet à un autre
ces objets étant sur le même plan. Je ne cesse de passer d'un objet à un autre objet, ces objets étant tous sur un seul et même plan. Je dirais, c'est l'enchaînement organique du fait. L'enchaînement organique du vrai est bien dit organique parce qu'il est sensorimoteur. Tout autre cas, Bergson nous dit ce qui diffère en nature, c'est la reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance attentive? Ben, il faut comprendre tout de suite. C'est justement quand ça ne marche pas tout seul. Ce qui est intéressant dans la reconnaissance attentive, ce n'est pas sa réussite. Pourquoi? La réponse, elle est immédiate. C'est que si la reconnaissance attentive, bien sûr, elle est différente. Supposez que je trouve... Et que je dise, ah mais oui, c'est le type que j'ai vu la semaine dernière à tel endroit. Le flux sensorimoteur est rétabli, il était un moment suspendu, puis il se rétablit. L'enchaînement organique a vacillé. Et quand je dis, ah mais oui, c'est mon ami Pierre. Tiens, je ne le reconnaissais pas, où j'avais la tête, c'est mon ami Pierre. Je réintègre immédiatement la zone du concept de vérité et je rétablis en même temps que je rétablis le flux sensorimoteur. Ah, comment vas-tu? Comment va ta mère? Comment vont les enfants? Tout d'air, tout d'air, tout d'air. Ce qui est intéressant dans la reconnaissance attentive, c'est que précisément, elle présuppose son propre échec. Où j'ai bien pu le voir, ce type-là? Ce qui est intéressant à la reconnaissance attentive, c'est évidemment tant qu'elle n'a pas réussi. Et peut-être qu'il y a des cas où il n'est pas question qu'elle réussisse. En tout cas, tant qu'elle n'a pas réussi, comment elle procède? Bergson nous dit exactement ceci. Chapitre 2 de Matière et mémoire. Il nous dit, c'est le mouvement opposé de la reconnaissance automatique ou sensorimotrice. Car dans la reconnaissance sensorimotrice, je réagis à un objet pour passer à un autre objet, tous ces objets étant sur le même plan. Je m'éloigne du premier objet pour passer à un autre, ces objets étant sur le même plan. Dans la reconnaissance attentive, ou plutôt lorsqu'il y a échec, c'est très différent. Je regarde l'objet. Je cherche en moi. Non, plutôt, je ne regarde pas simplement l'objet. Personne ne dit exactement, j'en retiens certains caractères. Donc c'est quelque chose qui me frappe. Je retiens Robe Grillet, car éclate pour moi que le texte de Bergson et le texte de Robe Grillet se recoupent, mais coïncident exactement. Je ne suis pas sans du tout dire que Robe Grillet s'est inspiré de Bergson, j'en sais rien. Il y a une rencontre très, très littérale, mot à mot, presque mot à mot. Robe Grillet nous dira, par exemple, que menu fragment sans importance. Je peux retenir de la chose un menu fragment sans importance. Par exemple, une certaine manière de marcher. Bon, quelque chose de la silhouette. Donc, j'extrais de l'objet un caractère singulier.
et je cherche en moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire chercher en soi? Ça veut dire lancer un appel. Et je reviens sur l'objet. Je lance un appel. Un appel à quoi? Est-ce que c'est un appel en moi? On verra ça, quel problème ça pose. À quoi je fais appel? Vous me direz à des souvenirs. Ça veut rien dire, des souvenirs. On ne peut pas se les donner déjà là. Qu'est-ce que c'est que les souvenirs? Je fais appel à quoi? Je fais appel à quelque chose. Je fais appel à quelque chose. Où diable j'ai vu ça? Où diable j'ai vu ce type? Je lance un appel. Mais cet appel, je ne le lance que pour revenir à l'objet et voir si ce que j'ai ramené de mon appel colle avec l'objet. Colle. C'est-à-dire entre en coalescence. Vous retrouvez notre circuit, la reconnaissance sensorimotrice se fait comme une reconnaissance linéaire se déployant sur un seul et même plan. En réagissant au premier objet, je passais au deuxième objet pour passer un troisième objet à l'infini sur le même plan. J'allais de ma touffe d'herbe à une autre touffe d'herbe, à une autre touffe d'herbe. Là, c'est plus ça. J'extrais de la chose, j'extrais de l'objet, un caractère. Et à la suite d'un appel, je reviens sur l'objet. Si ce que j'ai ramené de l'appel ne coïncide pas, n'entre pas en coalescence, ne colle pas avec l'objet, je refais un appel. Autre circuit. Exemple. Je passe donc, et sur le trottoir, je vois quelqu'un qui me dit quelque chose. Qui me dit au sens de main. Il évoque quelque chose. Reconnaissance attentive, je le regarde, là, comme ça. Pas trop, comme ça, je ne veux pas qu'il voit, que je le regarde. Et je me dis, mais où je l'ai vu? Je suis sûr de l'avoir vu. Je lance un appel. Par exemple, tout de suite, je me dis, j'ai une impression, et qu'est-ce que c'est que ces impressions, ces sentiments très, très, qu'il faudrait analyser très près. Je me dis, oh, c'est pas d'hier, ça, que je l'ai vu, celui-là. Et je lance un appel. Hein, je ne peux pas dire à des souvenirs. Les souvenirs, ils peuvent venir que si j'ai lancé mon appel. Encore une fois, ils ne préexistent pas. Je lance un appel à quoi? À une zone. Oh, voilà que je lance un appel à une zone. Oh, c'est bien autre chose, c'est curieux, à une zone, oui, ben... Comment appeler ça autrement? À une zone de mon passé. Mais une zone de passé, ce n'est pas du souvenir. Santé, enfin, on est en train de décider de tenir quelque chose. Ce n'est pas une zone, ce n'est pas un souvenir, une zone du passé. À la rigueur, je pourrais dire que mes souvenirs viennent d'une zone du passé. Mais si je n'ai pas fait mon appel à une zone du passé, comme dit Bergson dans une formule admirable, si je ne me suis pas placé d'emblée, mais qu'est-ce que ça veut dire ce saut? Si je n'ai pas sauté dans une zone de mon passé, jamais un souvenir ne viendra. C'est ça l'appel, c'est le saut. Je saute dans une région du passé. Mon enfance. Voilà, ça y est, j'ai sauté. À ce moment-là, des souvenirs m'arrivent. Et je me dis, ouais, est-ce que ce ne serait pas un copain de lycée? Vous voyez, là, j'ai extrait un caractère. Par exemple, j'ai entendu rire dans la rue.
Je me suis dit, mais ce rire, je le connais. Ça me dit quelque chose. Je lance mon appel. Je m'installe dans une zone du passé. Et la lettre, j'écoute, mais d'une oreille non pas sensible, d'une oreille psychique. J'écoute les camarades de lycée, hein. Maintenant morts, maintenant, etc., maintenant disparus. Bon, je les écoute avec mon oreille psychique. Et je reviens sur l'objet présent. Et je dis non, non, il n'y a rien. Alors il faut que j'extraie un nouveau caractère de l'objet présent. Et que je fasse un nouvel appel dans une autre zone. Et je reviens. Cette fois-ci, qu'est-ce que c'est la formule de la reconnaissance attentive, selon Bergson? Il le dira là, dans des textes splendides. Il le dira. Alors que la reconnaissance sensorimotrice, c'était le passage linéaire d'un objet à un autre objet situé sur le même plan. C'était ça l'enchaînement organique du vrai. La reconnaissance attentive en échec, telle que nous en parlons maintenant, c'est quoi? C'est un seul et même objet qui passe à travers plusieurs circuits, à travers plusieurs plans. Vous avez l'objet présent, des circuits. Et vous ne passerez pas d'un circuit à un autre de manière continue. Il faudra repartir à zéro, c'est-à-dire revenir à l'objet pour en extraire un nouveau caractère. Or, je dirais, comprenez, que l'enchaînement organique du vrai renvoie à ce que nous appelions description organique. La reconnaissance sensorimotrice renvoie à la description organique. Tandis qu'au contraire, la reconnaissance attentive telle que nous venons de la définir renvoie exactement à la description non organique ou à la formation cristalline. Vous établissez autant de circuits qu'il faut ayant pour point commun, je ne peux même pas dire l'objet puisque chacun a isolé un menu fragment sans importance de l'objet, et vous avez, comme dit Robert Grillet, une description qui ne cesse de se reprendre, de bifurquer, etc. En d'autres termes, dans l'enchaînement organique du vrai, vous aviez une perception qui se prolongeait en action. C'était donc un enchaînement sensorimoteur. Maintenant, vous avez une perception coupée de son prolongement moteur. Elle est coupée de son prolongement moteur. Elle est devenue comme perception pure. Elle ne se prolonge plus en action. Mais alors, elle s'enchaîne avec quoi? Elle forme une infinité de circuits possibles. C'est évidemment sur ces circuits que
l'imaginaire et le réel courent l'un derrière l'autre, se réfléchissent l'un dans l'autre. Or, l'enchaînement organique du vrai implique, nous le disions, une situation bien déterminée ou un milieu bien qualifié. Au contraire, le circuit non organique, les circuits non organiques impliquent quoi ? Eh bien, impliquent, et là je récupère une notion parce que je voudrais m'en servir d'une manière nouvelle, j'espère, une notion dont, qu'on avait commentée l'année dernière, il y a 2 ans, elle implique un type d'espace tout à fait différent. Non plus du tout un milieu qualifié, elle implique des espaces très curieux. Ces espaces, on les avait présentés soit comme des espaces sans connexion, comme des espaces déconnectés, soit comme des espaces vidés. La chose qui ne se prolonge plus en acte, la situation qui ne se prolonge plus en motricité, tend à se présenter dans un espace qui n'est plus du tout un milieu réel, mais ou bien un espace déconnecté, ou bien un espace vidé. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est là que le cinéma nous avait paru tellement important, mais on aurait dit aussi bien la peinture. Tout espace artistique est un espace vide ou un espace déconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire un espace déconnecté, je rappelle ? C'est un espace dont le raccordement des parties se fait de manière indéterminée. C'est-à-dire peut se faire d'une infinité de façons. C'est un espace dont le raccordement des parties n'est pas donné. Et vous voyez pourquoi, ça va tout seul, c'est que dans les milieux réels de la connaissance automatique, au contraire, le raccordement est donné par la motricité. Si vous supprimez le prolongement moteur, vous avez forcément un espace déconnecté. C'est-à-dire un espace dont les parties ne se raccordent pas, c'est-à-dire ne se raccordent pas en acte actuellement, mais peuvent se raccorder de toutes sortes de manières. Ou bien vous avez un espace vide, vidé, bien qu'il contienne l'objet, il n'en est pas moins un espace vide. C'est un espace vide autour de l'objet. Ce n'est pas un espace peuplé, ce n'est pas un milieu. Comme si l'objet flottait dans un vide. Or, ça, encore une fois, l'année dernière et l'année d'avant, on s'en est bien occupé, mais on va voir où ça nous mène quant au temps maintenant. On s'en est bien occupé de cette histoire des espaces dans le cinéma. Je veux dire, tous les auteurs de cinéma, au moins depuis la guerre, ont joué, et je ne dis pas qu'avant, il n'y en avait pas déjà, ont joué fondamentalement avec des espaces vides et des espaces déconnectés. Si je rappelle quelques exemples, même quitte à les pousser dans... Non, il y a un exemple dont je n'ai pas du tout parlé, mais dont je voudrais parler cette année. Il y a un maître des espaces vides et des espaces déconnectés, c'est Ozu. Il y en a un autre, c'est Antonioni. Et puis il y en a plein d'autres. On dirait même que le cinéma contemporain ne fait que ça, si bien que ça a engendré comme de nouveaux clichés. Ce qui est intéressant, c'est de saisir les rapports entre les deux types d'espace. Si je prends par exemple le cas Antonioni, ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il est passé de l'un à l'autre.
il y a des prévalences. Il a commencé par faire des espaces déconnectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on voit très bien ce que ça veut dire. Les parties ne se raccordent pas. Les parties contiguës se raccordent pas. C'est pour ça qu'il emploie fondamentalement des faux raccords. Le faux raccord, c'est fait précisément pour que les parties contiguës ne se raccordent pas. Et pourquoi? Là, on va retrouver tous nos thèmes. Pourquoi? C'est pour indiquer finalement quelque chose de très curieux. Là, on voit bien la faillite du sensorimoteur. Faillite des enchaînements sensorimoteurs. La faillite des enchaînements sensorimoteurs fait naître par elle-même un espace déconnecté. Ça ne veut pas dire que les parties soient sans connexion, ça veut dire que la connexion vient d'ailleurs. Par exemple, si l'on prend la Ventura, ça vous rappelez, tout simple. Il y a la jeune femme qui disparaît. Il y a un très curieux espace de fuite où l'amant et l'ami IE de la jeune femme à la fois s'enfuient, mais sous prétexte de la chercher. Et c'est un espace complètement, à la lettre, complètement incohérent, le tracé de leur chemin. Au moment même où ils la cherchent, ils font tout pour ne pas la trouver, pour s'en aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit, je dirais de nouveau, c'est évident que la connexion des parties de l'espace, dans le cas de la Ventura, se fait sous le regard imaginaire de la jeune femme disparue. C'est ça qui va lancer un très curieux circuit. Mais vous voyez que il va y avoir espace déconnecté dans la mesure où la situation a cessé d'être sensorimotrice. Et puis Antonioni passera de plus en plus des espaces déconnectés sous cette forme. Par exemple, le cri, c'est encore du plein espace déconnecté. Il passera à ces fameux espaces vides, où lorsque tout est fini, lorsque la chose est finie, il n'y a plus que l'espace vide. Sous quelle forme? Sous une forme qui nous intéresse beaucoup. L'espace vide comme paysage, ou plutôt le paysage comme espace vide. Bon, le premier à avoir pénétré tout ça, je crois, le premier historiquement et avoir imposé dans le cinéma, c'était évidemment Ozu, mais les Européens, je crois, ne sont pas venus par l'influence d'Ozu, parce que beaucoup ne le connaissaient pas. Ils sont venus par leurs propres moyens, mais c'est Ozu le premier à avoir fait un cinéma fondé sur ces espaces déconnectés, ces espaces vides. Si je prends un cas aussi extraordinaire que Bresson, on voit bien quoi. Il est connu pour ses célèbres fragmentations. Alors là, une table étant donnée, jamais il la donnera tout entière, ni une porte, ni quoi que ce soit. Il faudra toujours que ce soit un morceau de table avec perspective dépravée, puisque la perspective, là, plus forte raison. Même le personnage ne peut pas tourner, puisque c'est un fragment. Mais la fragmentation chez Bresson, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie le caractère déconnecté des parties de l'espace. En d'autres termes, les différentes parties peuvent se connecter de toutes sortes de manières. D'où va venir la connexion? Je crois qu'il y a quelque chose d'inégalable chez Bresson, qui fait que ces espaces déconnectés à lui se distinguent absolument de tous les autres. C'est que la connexion est tactile. Pourquoi est-ce que chez Bresson, c'est les mains qui remplacent le visage? C'est qu'il fait de la main un usage particulièrement pervers, Bresson. Ça n'est plus une main sensorimotrice. Ça n'est plus une main motrice ni même préhensive. C'est une main qui touche. L'espace visuel est complètement déconnecté.
et ce qui rétablit des connexions dans cet espace visuel, c'est la main en tant que main qui touche ou qui frôle. C'est donc plus du tout une main sensorimotrice. C'est dès lors absolument fondamental que les mains remplacent les visages du point de vue du gros plan, par exemple. Considérez dans un de ses chefs-d'œuvre, Pickpocket, comment il fait, par exemple, dans l'épisode célèbre Garde-Lion. Il y a trois compères. Jamais l'espace Garde-Lion ne sera vu en entier, bien plus. Ce sont des fragments minuscules. Comment se fait la connexion d'un fragment à un autre? Pickpocket, ça semblerait être la main qui prend. Absolument pas. Il est bien connu qu'un mauvais pickpocket se sert de sa main comme d'un instrument de préhension, mais pas un bon. C'est le meilleur moyen d'être arrêté ou de gratter son cou. Prendre. C'est pas ça. Et tous les jeux de main en gros plan que Bresson nous montre dans Pickpocket est un véritable apprentissage professionnel, puisqu'on y apprend en effet que le pickpocket surtout ne prend pas l'objet. Qu'est-ce qu'il fait? Il le frôle. Il l'arrête. Il l'arrête au pinceau. L'objet est en mouvant. Il y a un grand moment dans la gare de Lyon où un des trois pickpockets, à la lettre, arrête au vol un objet qui est transporté par quelqu'un. Il ne le prend pas. C'est une main pure tact. C'est une main pure tact qui va répondre à un œil purement optique. L'œil purement optique saisit des parties de l'espace déconnecté. Il n'y a plus sensorimotricité, il n'y a pas ça, il n'y a pas prolongement moteur. Et à cet œil qui ne se prolonge plus en action, qui laisse donc les parties de l'espace sans connexion, va répondre une main qui a cessé d'être motrice et qui rétablit des connexions d'espace. Bon. Je dis, donc si je résume tout cela, je dis, l'enchaînement organique du vrai se définit par milieu bien qualifié et prolongement sensorimoteur du type reconnaissance automatique l'enchaînement non organique l'enchaînement cristallin si vous voulez se définit par espace déconnecté ou espace vide, et perception, coupée de son prolongement moteur. Ce qui est un complément de notre théorie du circuit. À ce moment-là, tout se passe comme si l'œil n'avait plus sa fonction, n'avait plus une fonction simplement optique. Je veux dire, du fait même que le prolongement moteur est mis entre parenthèses, l'œil accède à une autre fonction qu'une fonction qui consisterait simplement à voir. Il accède à une fonction qu'il faudra bien appeler visionnaire, ou une fonction de voyance. Vous voyez, ça nous renvoie à la formation cristalline. Qu'est-ce que je vois dans le cristal ? Ce que je vois dans le cristal, c'est la chose même.
ou du moins de menus fragments sans importance de la chose. Des caractères prélevés sur la chose et flottant dans l'espace vide ou dans un espace déconnecté. Enfin, dernier point. Vous voyez que chemin faisant, on est passé du dehors de la formation cristalline, le fabricant de la formation cristalline, aux faces de la formation cristalline, les circuits, et puis au-dedans de la formation cristalline, le point d'indiscernabilité, la perspective dépravée. Et en effet, le dernier caractère d'opposition, c'est ce qui distingue la narration organique ou véridique et la narration telle qu'elle met en question le concept de vérité, c'est-à-dire la narration falsifiante, la narration sous la puissance du faux. Et ça, c'est ce qui se passe alors dans la formation cristalline. Ce n'est plus le point de vue de la description dont on était parti, on a atteint le point de vue de la narration. Et c'est un peu comme ça partout, je veux dire, dans la représentation. Dans la représentation, alors apprenons un peu de philosophie. La notion de représentation, elle implique... Et on ne peut la comprendre que si l'on tient compte de trois termes. Et au XVIIe siècle, tout le monde savait le sens de ces trois termes. On disait qu'une représentation avait une triple réalité. Elle a une réalité objective, elle a une réalité formelle, elle a une réalité matérielle. Chez Descartes encore, ça vient du Moyen-Âge, mais chez Descartes encore, vous trouvez pleinement ces trois réalités de la représentation. Simplement, il faut presque savoir par cœur ce que ça veut dire. La réalité objective de la représentation, c'est son rapport avec l'objet représenté. C'est donc son rapport avec le dehors. Vous voyez que c'est très lié au concept de vérité. Par exemple, la description organique qui présuppose l'indépendance de l'objet, se rapporte à un objet. Je dirais la réalité objective de l'idée de triangle, de la représentation de triangle, c'est tel triangle. La réalité formelle, c'est la réalité de la représentation en tant que représentation. En elle-même, elle a une réalité. C'est-à-dire qu'il y ait des triangles ou qu'il n'y en ait pas, la représentation de triangle a une consistance. On appellera réalité formelle la consistance de la représentation comme telle. Et on appellera réalité matérielle son rapport, le rapport de la représentation avec un sujet qui la pense. C'est-à-dire la représentation comme modification d'un sujet pensant. Donc, si vous arrivez de trouver dans des textes ces trois expressions, elles doivent être pour vous limpides. Je dirais que si je parle de proposition, c'est la même chose. La proposition, elle a aussi trois dimensions. Ou bien l'énoncé. Première dimension, il a un rapport avec un état de choses.
Deuxième détermination, deuxième dimension. Il a un rapport qui définit sa consistance intérieure et qu'on peut définir, ça peut se discuter, mais enfin, on part d'un point de vue très simple, qu'on peut définir par ce qui fait fonction de sujet de l'énoncé. On laisse de côté la question, est-ce que tout énoncé a un sujet ? Mais remarquez, j'ai presque prévu en disant faire fonction de sujet de l'énoncé. Et enfin, il y a une troisième dimension, le rapport de l'énoncé avec un sujet d'énonciation. C'est-à-dire avec le sujet qui l'énonce, qui énonce l'énoncé. Bien. La conception organique du vrai nous dit quoi ? Elle nous dit que le rapport extérieur de la représentation avec l'objet ne peut être garanti que par l'ensemble des rapports intérieurs qui constituent la représentation comme représentation organique. En effet, je ne peux pas saisir l'objet indépendamment de la représentation que j'en ai. C'est donc en vertu des rapports intérieurs à la représentation comme représentation organique que je peux affirmer la vérité, c'est-à-dire la correspondance de la représentation à un objet. Bon, tout ça, ça va de soi, quoi. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que dès lors, je pourrais dire, l'énonciation véridique passe par la distribution et la distinction du sujet de l'énoncé et du sujet de l'énonciation. En d'autres termes, ce qui décidera de la vérité ou de la correspondance avec l'objet, c'est le rapport de la réalité formelle et de la réalité matérielle de la représentation. J'appellerai narration véridique, même si elle est fausse, toute narration où le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation sont bien déterminés. Et leur rapport lui-même bien déterminé. Ce sera un rapport organique qui définit la narration organique ou narration véridique. Comme on dit, savoir qui parle et de quoi il parle. Chacun sait qu'il y a des narrations très étonnantes, et généralement, Blanchot l'a montré d'une manière définitive, qui soit la troisième personne, le « il ». Et des narrations en apparence si confuses qu'on ne sait absolument plus de qui il s'agit, quel il. Tant la troisième personne est riche. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, on l'a vu, je récapitule juste ce point, cela veut dire que nous nous trouvons devant des énoncés tel que le sujet d'énonciation, un sujet d'énonciation, est pris lui-même dans un énoncé qui dépend d'un autre sujet d'énonciation à l'infini.
On l'a vu, je ne reviens pas là-dessus non plus, c'est ce que réalise le discours indirect libre, à savoir cette pluralité des voix, où perpétuellement un sujet d'énonciation est saisi dans un énoncé qui dépend d'un autre sujet d'énonciation. C'est-à-dire, lorsque j'inclus dans l'énoncé que je tiens, moi, sujet d'énonciation, un énoncé qui dépend d'un autre sujet d'énonciation. Bon. C'est la voix multiple. C'est la multiplicité des voix. Si vous avez lu le livre 4 de l'homme supérieur, il est dit que le cri de l'homme supérieur est multiple. Toujours une voix dans une voix. On a vu que c'est dans ce cas, et c'est à ce niveau que la puissance du faux se développe en une série de puissances au pluriel. Ce renvoi perpétuel, n'est-ce pas, d'un énoncé dont le sujet d'énonciation renvoie perpétuellement à un autre sujet d'énonciation, etc., on pourra le définir non plus sous la forme des perspectives dépravées, mais cette fois-ci sous la forme de la série des puissances du faux ou une série d'anamorphoses. Voilà, ce sont les cinq caractères, je crois, hein, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les cinq caractères de la mise en question du concept de vérité. Bon. Or, je reviens à mon thème. Ce qui met en question le concept de vérité sous ces cinq aspects, c'est la forme ou la force du temps. Dès lors, on a le tracé de notre travail maintenant. À savoir, comment opère cette forme, on a vu. On a vu comment elle se manifestait. On l'a vu avec le grand paradoxe des futurs contingents. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette force du temps, pour mettre en question le concept de vérité? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment fait-elle? La réponse, elle est simple, moi je crois. Je dirais, il y a force du temps lorsque le temps renverse. Est-ce qu'il est capable de renverser? Lorsque le temps renverse son rapport avec le mouvement. La force du temps implique et même opère un renversement du rapport temps-mouvement, au point que ce n'est plus le temps qui dépend du mouvement, mais le mouvement qui dépend du temps. Si bien que si pendant tout le premier trimestre on s'est occupé de la crise de la vérité en fonction du temps, maintenant on s'occupera de ce renversement mouvement-temps qui libère une pure force du temps. Donc l'objet de ce second trimestre, ce serait crise de la vérité suite, mouvement et temps. Et bien alors on y va. Mmh.
faudrait. S'il montre ça, oui. Ah ben non, il est en train de la prendre. Là aussi, je voudrais partir un petit peu, je voulais partir un petit peu du cinéma pour essayer de comprendre quelque chose. Et puis, comprenez, quand on dit renversement du rapport mouvement-temps, on dit bien renversement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement? Non. Pourtant, d'une certaine manière, alors, la crise de la vérité, elle devient sans doute fondamentalement une crise du mouvement. Crise du mouvement, bah, presque on peut dire, oui, le cinéma comme cinéma moderne, il s'est fait sous la forme d'une crise, d'une mise en crise du mouvement. Un des symptômes de cette crise, c'est le retour très constant au plan fixe, par exemple. Est-ce que ça veut dire, ce serait un cas, le retour au plan fixe? Bon, mais... Bien, inutile de dire que Ozu, là aussi, serait pour nous un auteur fondamental. Est-ce que ça veut dire, voilà ma première question, qu'il n'y a plus de mouvement? Évidemment, non. Encore une fois, il s'agit d'un renversement. Simplement, il faut s'attendre à ce que ce renversement, d'une certaine manière, sélectionne et trie le mouvement. En tout cas, le limite. Il faut s'attendre à une singulière limitation du mouvement. Ça ne veut pas dire que le mouvement disparaît dans l'image. Ça veut dire que, finalement, l'image-temps renverse son rapport avec l'image-mouvement. Ça veut dire presque que il n'y aura d'image-mouvement que ce que permet une image-temps plus profonde. D'une image qui ne cesse de croître en dimension. Qu'est-ce que c'est que ces dimensions croissantes? Ça ne peut plus être des dimensions spatiales. Pourquoi? Parce que les dimensions spatiales, elles ne peuvent croître qu'avec le mouvement. Et encore, elles ont leurs limites de croissance, et bien plus. Le retour au plan fixe s'accompagne très souvent d'un retour à la planitude de l'image, l'image plane. Donc je maintiens que lorsque le temps renverse son rapport avec le mouvement, le mouvement ne disparaît pas. Mais il n'est plus que la première dimension d'une image qui ne cesse de croître en dimension, ces dimensions dès lors n'étant plus spatiales. Ce qui va bien avec nos espaces vides, nos espaces déconnectés, tout ça. Voilà ce que veut dire, voilà ma première remarque. Deuxième remarque, est-ce que ça veut dire, est-ce que l'image temps, est-ce que le temps, là, on le trouvera comme tout à l'heure, le même problème se posait au niveau de la connaissance dite attentive. Est-ce qu'on peut dire que, ben oui, on va me dire, on voit bien, il y a des films, et puis ça, c'est de tout temps.
qui ont comporté du flashback. C'est-à-dire une espèce d'exploration du temps d'après les règles de la mémoire. On sent bien que là aussi, non, c'est pas ça. Le renversement du rapport temps-mouvement ne passe évidemment pas, pas plus qu'il n'implique une disparition du mouvement, il n'implique une simple entreprise de la mémoire. Pour une raison très simple, c'est pourquoi. Si vous avez un peu compris, si je veux dire quelque chose, ça va de soi que, si je m'intéresse là à l'exemple du cinéma, on va voir que on va retrouver le même problème en philosophie. Ça va trop de soi que le flashback, c'est un simple écriteau au cinéma. Mettons un fondu enchaîné, et puis après des images surexposées, ou des images, quoi. Bon. C'est un écriteau du type attention, souvenir. Ça ne dépense pas ça, c'est un procédé purement conventionnel. Mais je ne crois pas qu'il suffise de dire que le flashback est insuffisant par rapport à l'image souvenir. C'est l'image souvenir beaucoup plus qui est insuffisante par rapport au temps. Et c'est ce que disait Bergson si bien. Vous n'aurez jamais de souvenir si vous n'êtes pas d'abord placé d'emblée dans une zone du temps, dans une zone du passé. En d'autres termes, les zones du temps, les zones du passé dépassent infiniment l'image souvenir. Donc, ce n'est pas la mémoire qui nous donne une indépendance possible du temps. Il y a une chose qui me paraît évidente chez tous les auteurs qui ont utilisé le flashback, à moins qu'il ait utilisé gratuitement, c'est les grands auteurs à flashback. Il faut toujours que le flashback soit fondé par quelque chose d'autre. En d'autres termes, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous force à raconter l'histoire au passé. S'il n'y a pas quelque chose qui nous force à raconter l'histoire au passé, aucune raison d'employer le flashback à n'importe quel moment. C'est des procédés nuls. Là. Bon. C'est vrai de tous les grands auteurs à flashback. Or, j'insiste, encore une fois, c'est pour les mêmes raisons. C'est en même temps que le flashback est indépendant et insuffisant par rapport à l'image souvenir et que l'image souvenir est insuffisante par rapport au temps. Donc, il ne suffit pas de dire que le flashback nous donne une fausse image de la mémoire. C'est la mémoire qui nous donne une fausse image du temps. Que ce soit tous les auteurs, je dis tous les grands auteurs à flashback, que ce soit Mankiewicz, que ce soit Wells, que ce soit René, et j'en passe, ils fondent toujours le flashback sur quelque chose qui en font de la nécessité, le flashback même, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est bien autre chose. Peut-être est-ce que vous comprenez mieux si je dis que ce qui intéresse Wells, c'est les zones de passé qui excèdent de loin toute mémoire. Ce qui intéresse René aussi. En quoi ça peut fonder le flashback? Alors, je prends l'exemple du troisième, qui est célèbre pour ses flashbacks. Mankiewicz, il procède par flashback. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il procède par flashback? C'est une question insoluble si on s'interroge sur le flashback lui-même. En revanche, ça devient évident si l'on se demande, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête en tant que penseur, Mankiewicz? Donc, je réclame toujours le droit de traiter Mankiewicz exactement comme je traite Kant ou comme je traite Rob Grillet. Ou... Bon, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est la pensée de Mankiewicz? Il a quand même une pensée, cet homme. Et cette pensée, elle est dans son œuvre.
Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, son œuvre? Mais il me semble que c'est pas compliqué. C'est... Je dirais, si j'en parlais quand je parle à un philosophe, je dirais, c'est très curieux, c'est quelqu'un qui, avant tout, ne croit pas au destin. Remarquez que c'est intéressant pour le temps, déjà, parce que ça revient à dire que, pour lui, au fond du temps, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de destin. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas croire au destin? Qu'est-ce qui se passe chez lui? Il me semble évident que il conçoit que... Voilà. J'essaie de reconstituer une pensée entre un être et qu'il n'y a pas de raison. Vous me direz, pourquoi il pense ça? On est dans le sans fond. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Pourquoi je pense telle chose? Pourquoi j'y crois? C'est la question, c'est la dernière des questions. C'est comme ça. Et bien pour lui, ce qui est comme ça, c'est que ça bifurque tout le temps. Ça bifurque tout le temps. Mais il faut prendre ça à la lettre. Nous ne cessons pas de bifurquer dans le temps. On pourrait concevoir un philosophe. Hein. Supposons que Mankiewicz n'ait jamais fait de cinéma, qu'il ait fait des livres de philosophie. Il nous aurait expliqué ça. Expliquer, pas plus expliquer, c'est pas plus clair, c'est plutôt... Est-ce que c'est plus clair? Le cinéma, c'est pas plus simple que la philosophie. Supposez un philosophe qui vous dit ça. Ça bifurque dans le temps, c'est-à-dire nous cessons pas de bifurquer dans le temps, ça veut dire immédiatement, le temps bifurque. Ce n'est pas dans l'espace qu'il y a des bifurcations. Les bifurcations dans l'espace, ce n'est pas grave. Une voie qui bifurque, ce n'est pas grave. Les bifurcations dans l'espace, elles dépendent de quelque chose de plus profond, c'est les bifurcations du temps. Il ne faut même pas dire « je bifurque dans le temps », il faut dire que le temps ne cesse de bifurquer. Il fait des coudes. C'est l'antidestin. Ah, le temps fait des coudes, il bifurque. Bon. Il y a tout le temps, tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des temps morts, puis ça bifurque. Et puis la bifurcation bifurque. Alors ça fait beaucoup de bifurcations. Et c'est ça le temps. Le temps qui bifurque. Tiens. Si Mankiewicz avait été écrivain, ben après tout, il y a un écrivain qui nous a raconté ça. On en a parlé, donc je le recite par mémoire, on le retrouve, donc très bon, ça fait une retrouvaille, c'est Borges, bon. Le jardin au sentier qui bifurque. Tout le thème du jardin au sentier qui bifurque consiste à nous dire ce qui bifurque, ce n'est pas l'espace, c'est le temps. Quelle étrange idée. Quand une idée vous tombe comme ça, soit qu'elle vous arrive à vous-même, soit que vous l'entendiez, vous n'allez pas demander pourquoi tu dis ça. Sentez que cette question non seulement serait insolente, mal polie, mais proprement dénuée de tout sens. Pourquoi il dit ça? Ce qui compte, c'est ce que ça nous fait voir. Et l'effet que ça nous fait. C'est par là que je recommence mon histoire. Il n'y a pas de concept sans affect et percept. Voilà un concept. Le temps bifurquant. L'énoncé de ce concept, c'est ce n'est pas l'espace. Les bifurcations ne sont pas dans l'espace. Elles sont dans le temps parce que c'est le temps qui bifurque lui-même en lui-même. J'espère que rien qu'entendre ça, je peux vous le dire là, puisque ce n'est pas moi, vous avez déjà une émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, il ne faut pas revenir. C'est émouvant.
les émotions que cela vous donne, je dirais que ce sont les affects liés à ce concept. Ceux qui n'éprouvent pas d'émotions sont insensibles à ce concept. À ce moment-là, ils seront émus par d'autres concepts. Je ne connais personne qui reste insensible à n'importe quel concept. Chacun a les siens. Deuxième question, quelle perception, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait voir? Sinon, ça serait, c'est pour ça que la philosophie, comment vous voulez la distinguer du reste? Mettons que la philosophie, je dis, ah ben oui, elle s'occupe des concepts. D'accord, elle s'occupe des concepts. Mais comment vous voulez la séparer des affects? Comment vous voulez la séparer des percepts? C'est-à-dire, comment vous voulez la séparer des sciences, des arts? Tout ça, c'est le même discours. Tout ça, c'est absolument aussi bien que... C'est en sens que moi, je vois aucun inconvénient de sauter de Kant à Mankiewicz, à condition que vous ne fassiez pas le mélange. Ce qui m'embête, c'est si vous en tirez l'idée d'un mélange. Mais ce n'est pas un mélange. Voilà donc qui nous dit le Mankiewicz. Le temps bifurqué cesse de bifurquer. C'est... Du coup, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il nous dit ça vraiment? Oui, il nous dit ça vraiment. Tout le temps. Il n'a que ça. Il n'a qu'une idée. Et vous comprenez, quand on a une idée comme ça, ça suffit. Ça suffit pour une vie, ça suffit pour une œuvre. Il y en a qui ont fait une œuvre immense avec moins que ça. Bon, comprenez, ça couvre plusieurs choses, les bifurcations. Comme c'est le temps qui bifurque. Bien sûr, ça recouvre la variation des personnages. Jamais chez Mankiewicz, un personnage n'a un développement unilinéaire. Alors là, c'est l'antidestin. Jamais. En même temps que je dis jamais, du coup, si, un cas. Tant mieux, il en fallait un. Il en fallait un parce que ça va nous confirmer. Pas du tout à titre d'exception. On va voir pourquoi il y en a un qui ne bifurque pas, à ma connaissance. Mais sinon, ça bifurque tout le temps. Alors, ça comprend les variations. Mais la bifurcation, c'est un concept plus profond que celui de variation d'un personnage. Les personnages varient. Mais sur quel mode ils varient chez Mankiewicz? Tous les personnages varient. Chez Mankiewicz, comment ils varient? Ils varient parce que perpétuellement quelque chose dérape. Quelque chose qui dérape. C'est-à-dire qui prend une autre voie. Comment on dit dans un train? Une déviation. Ça dévie tout le temps. C'est pour ça que c'est une narration perpétuellement coulée. Je dirais que ça fait partie des grands narrateurs falsifiants. La narration, elle est perpétuellement coulée. Vous savez, avant même qu'un petit segment soit décidé, il a déjà bifurqué. Bon. Pourquoi? Il y a un cas. Il a répudié Cléopâtre. Vous savez qu'il a fait deux grands films historiques, ou plutôt théâtraux, tirés des deux pièces de Shakespeare, Jules César et Cléopâtre. Il a répudié Cléopâtre très fort en disant que ce film était, lui avait été imposé, qu'on lui avait pas laissé faire ce qu'il avait voulu, etc., etc. C'est quand même, pour beaucoup de gens, c'est un film splendide. Qu'est-ce qui l'intéresse dans Shakespeare ? Ce qui l'intéresse dans Shakespeare, c'est quelque chose de formidable, qui est dans Cléopâtre de Shakespeare, à savoir c'est que Cléopâtre est perpétuellement présentée comme l'ondoyante, la tout ondoyante, comme vraiment l'ondoiement universel, l'ondoiement devenu puissance cosmique. Et elle ne cesse pas de bifurquer. C'est la grande bifurquante. Consiste pas, elle n'arrête pas de dévier avec sa propre déviation. Elle enchaîne les déviations. Elle bifurque sans, exactement comme on dit d'un cheveu qu'il est fourchu. Cléopâtre est fourchu. Alors vous me direz, elle est variable, elle est inconstante. Oui. Mais c'est tellement, bah oui, elle est variable, elle est inconstante.
c'est évident. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est pourquoi elle est variable et inconstante. Elle n'y peut rien. Et pourtant, c'est pas un destin. C'est parce qu'elle est le temps. Elle est le temps en personne, elle est le temps faite femme. C'est-à-dire, elle bifurque et bifurque avec la bifurcation. Elle n'arrête pas de bifurquer. Et Marc-Antoine, lui, il a l'amour fou. Alors elle le trahit, mais c'est pas qu'elle le trahisse. Encore une fois, c'est le temps qui bifurque. Et Cléopâtre est le temps à la manière de Mankiewicz. C'est-à-dire, le temps est un chouet fourchu qui continue à produire du chouet fourchu, à proliférer en chouet fourchu. Et c'est ça le temps. Le sentier au jardin, oh non, le jardin au sentier qui bifurque. Alors, le pauvre Marc-Antoine, il est réduit à rien. Il boit pour oublier, il rompt perpétuellement avec Cléopâtre, et il revient à Cléopâtre, et il y a la fin splendide, où dans une ultime bifurcation, Cléopâtre va jusqu'à lui rendre son amour à elle, Cléopâtre. Si bien qu'il meurt d'une certaine manière heureux. Mais dans la tragédie d'avant, Jules César, on retrouve une partie des mêmes personnages. On retrouve Marc-Antoine. Et cette fois, c'est très curieux, parce que là, il a fait ce qu'il a voulu, Mankiewicz. Il y a l'homme qui ne bifurque pas, c'est Brutus. Bien sûr, il a beaucoup d'affection pour César, et pourtant il le tue. Il le tue, d'accord. Mais ça ne fait pas une bifurcation. C'est un homme unilinéaire. Une fois qu'il a choisi l'amour de la République, il ne se détournera pas. Il ira jusqu'au bout. Et il a beau être attaché à César, il tuera César. Il a beau être habile politique et très bon orateur, il ira tout droit et il expliquera linéairement, directement au peuple pourquoi il a tué César et brièvement en disant, vous savez bien que César allait assassiner la République. En d'autres termes, Brutus, dans son âme simple, ne sait pas ce que c'est qu'une bifurcation. Et il y a Marc-Antoine, à ce moment-là, qui n'est pas encore amoureux de Cléopâtre, ne la connaissant pas, qui, lui, le second Marc-Antoine, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, est joué par Burton, qu'il joue admirablement. La bifurcante Cléopâtre étant jouée par Elizabeth Taylor, et dans Jules César, Brutus est joué par Mason, et Marc-Antoine par Brando, dans une interprétation très 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 belle. Car Mankiewicz a donné du Jules César de Shakespeare une interprétation qui semble très intéressante. C'est que Brando, lui, c'est l'homme fourchu. C'est l'homme qui ne cesse de bifurquer. Aussi sait-il profondément ce que c'est que le temps. Et la grande scène du Jules César, c'est Brando, Marc-Antoine, qui se présente comme un homme de guerre, un guerrier mal habile à parler, faisant pas de politique, mais qui, en un discours de 10 minutes, retourne la foule des Romains, fait bifurquer l'opinion, les ramène à César, dans un discours fourchu qui est fantastique, qui est venu de Shakespeare, là, Mankiewicz n'a eu qu'à utiliser Shakespeare, où à chaque instant du discours de Marc-Antoine, lisez-le, dans n'importe quelle traduction du Jules César de Shakespeare, à chaque moment il y a une bifurcation. Où, dans chaque phrase, Marc-Antoine rend hommage à ceux qui ont assassiné César.
les citoyens si honnêtes et si soucieux de la République, mais à chaque fois, déviation, déviation à la gloire de César. Si bien que Brutus, qui lui ignore la bifurcation, ignore la puissance de la bifurcation, avant même d'avoir compris quoi que ce soit, se retrouve proscrit, promis à la défaite, acculé au suicide, et mourra sans avoir bien compris. Et c'est ça qui est extraordinaire, il me semble, dans l'interprétation que pousse Mankiewicz, qui à mon avis est complètement shakespearienne. Mais il l'a poussé là dans son film, il l'a poussé jusqu'au bout, cette interprétation. On ne peut pas dire simplement Brutus est un idiot, vous comprenez ? Et Marc-Antoine est malin. Oui, Marc-Antoine est malin. Mais Marc-Antoine est malin parce qu'il a l'expérience du temps qui bifurque. Brutus se conduit comme un idiot. Pourquoi ? Parce qu'il n'a même pas laissé d'observateur lorsque Marc-Antoine parlait au peuple. Non seulement il est parti lui-même, il n'a pas laissé d'observateur, tellement il a une nature droite. Une nature droite est condamnée par le temps, parce que le temps, c'est le temps qui bifurque. Alors, bon, si on comprend ça, bah oui, c'est évident. Pourquoi il y a tout le temps des flashbacks ? Pourquoi dans la plupart des films, je me mets en trop, ça servira pour une autre fois. Pourquoi il y a tout le temps des flashbacks chez Mankiewicz ? Essayez de comprendre, on est tout près de tenir quelque chose. Forcément, il y a des flashbacks chez Mankiewicz. Parce que si le temps, c'est le temps qui bifurque, il bifurque d'une manière tellement, tellement insensible, où il y a une possibilité de bifurcation à chaque instant, que la plupart du temps, on ne peut pas les saisir sur le moment. C'est pas moi qui bifurque, c'est quelque chose dans le temps qui bifurque. Si j'ai un sentiment inconscient, je suivrai la bifurcation. Mais une claire conscience de la bifurcation, je ne pourrais pas l'avoir sur le moment. C'est parce que les bifurcations du temps débordent les personnes et les consciences qu'elles ne peuvent être saisies qu'au passé. Sauf certains cas où il n'y a pas flashback. Mais s'il y a si souvent flashback chez Mankiewicz, c'est en fonction d'une théorie du temps ou d'un sentiment du temps qui me semble extrêmement important, extrêmement profond. À savoir, cette idée d'un temps qui, dans son essence, en tant que temps, ne cesse pas de bifurquer. Si bien que s'il y a un écrivain dont Mankiewicz est proche, et c'est pas exclu, là, je sais pas, cette chose, c'est pas exclu qu'il soit connu, d'ailleurs, et que Mankiewicz l'ait lu de avec beaucoup de passion. S'il y a un écrivain proche de lui, c'est Fitzgerald. C'est Fitzgerald. Pour Fitzgerald, là aussi, il n'y a pas lieu de demander pourquoi. Les questions pourquoi, c'est tellement dérisoire. Il y a une question qui est la question des questions. Alors pourquoi ? Ben, c'est comme ça. Il l'a payé de sa vie, il l'a payé dans toute sa vie. C'est la question qu'il travaille. Il est né pour cette question. Supposez que chacun de nous soit né pour une question, alors le malheur, c'est quand on ne trouve pas la question. À ce moment-là, on ne meurt pas. On est immortel, on traînera toute la vie là, à la recherche de la question qu'on devait incarner. Et donc trouvez-la vite pour être tranquille. Et puis comme vous risquez pas d'y répondre, vous aurez la paix une fois que vous tiendrez votre question. Fitzgerald, il avait une question, c'est à la lettre, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il y a des gens qui ont comme question, qu'est-ce qui va se passer ? Non, Fitzgerald, c'est pas ça. Sa question, ça n'a jamais été, qu'est-ce qui va se passer ?
Et qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là? Bien, il faut être voué à une question. Alors là, c'est une question d'affect. Oui. C'est pour ça que concept, percept, affect, tout ça, forme une espèce de circulation diabolique, sans cesse. On ne peut pas dire lequel est le premier. Fitzgerald, il se met toujours dans des situations où il finit par, comme on dit, en arriver là. Et toute son œuvre est qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là ? Beau, riche, heureux. Il se retrouve misérable, malheureux, vieilli avant l'âge, presque incapable d'écrire une ligne. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment sommes-nous arrivés là? Et quand la question devient celle d'un couple, Fitzgerald et sa femme, ça devient une espèce de duo musical qui écrit des plus belles choses à toute la littérature. Comment sommes-nous arrivés là? Eh bien, je crois que comment sommes-nous arrivés là ne peut se comprendre que dans la perspective précisément d'un temps dont l'essence est d'être un temps bifurcant. C'est parce que c'est pas notre faute, c'est la faute à personne. Et c'est ce que dit tout le temps de Fitzgerald. C'est pas ta faute, c'est pas la mienne. C'est quoi? Facile de dire c'est le temps. Non, c'est pas facile. Si on en tire une présence du temps si insolite, si forte que le temps qui bifurque. C'est le temps qui n'a pas cessé de bifurquer. Si bien qu'on a dérapé. On a suivi des cheveux fourchus. On a suivi toutes les voies de déviation avant même de s'en rendre compte. Et nous voilà, on en est arrivé là. Vous voyez que ça ne peut être saisi que par flashback. À ce moment-là, le flashback cesse d'être complètement quoi, d'être conventionnel. Il reçoit sa nécessité d'ailleurs. C'est l'essence d'un temps qui bifurque qui, dans ce cas, fonde le flashback. Dans le cas de Mankiewicz, ce n'est pas une réponse générale. Dans chaque cas, c'est une essence du temps qui va fonder les opérations de la pseudo-mémoire. En d'autres termes, c'est jamais la mémoire qui donne le secret du temps. Ce que notre misérable mémoire recueille du temps, elle ne peut le recueillir que d'après la nature du temps qu'elle fréquente. Bon, alors tout temps n'est pas un temps qui bifurque. Il y a des gens qui vivent un autre temps. À coup sûr, Fitzgerald a vécu ce temps-là. Et Mankiewicz a vécu ce temps-là. Si bien que si vous prenez les grands films à flashback de Mankiewicz, voyez bien ce récit perpétuellement coupé, fait au passé. Dans le film qu'on a redonné à la télé il n'y a pas longtemps, La chaîne conjugale, il s'agit de quoi? Ben, il s'agit de trois femmes, trois flashbacks. Qui cherchent quoi? Comment et quand leur ménage s'est mis à déraper? Et là, on voit très bien les bifurcations. Parfois, les personnages ont l'air d'avoir un développement unilinéaire. C'est jamais vrai. Prenez un film qui ne comporte qu'un seul flashback, comme soudain l'été dernier. Qu'est-ce qu'on apprend en apparence progressivement? On apprend progressivement que la mère devenue vieille est jalouse d'une jeune fille parce que la jeune fille a pris la place que elle, la mère, avait auprès du fils mort. Le fils est mort, il est mort dans des conditions mystérieuses, mais il est mort en vacances avec une jeune fille. Et puis, la mère était jalouse de cette jeune fille parce que jusque-là, c'est elle qui allait en vacances avec son fils.
Il y avait la jalousie de la mère, bon, premier stade. On se dit, bon, c'est une mère jalouse. Deuxième stade. On apprend que si le fils a changé de partenaire, est parti en vacances, non pas avec sa maman, mais avec la jeune fille, c'est parce que la maman avait vieilli et ne pouvait plus lui servir d'appât. Chose abominable, il se servait de sa mère comme appât pour de jeunes garçons. Et s'il emmène la jeune fille, c'est pour la même raison. Il s'en sert comme un appât pour les jeunes garçons. À ce deuxième niveau, c'est plus jalousie de la mère, c'est pédérastie du fils. Troisième. Et puis on sent que c'est mentirique, jamais rien n'explique rien. C'est la définition d'un temps sans destin, d'un temps qui bifurque. Alors on se dit, ah bon, on tient une explication. Rien du tout. Troisième grand moment. Effarant moment. Le seul où le flashback sera effectué. On revoit, par souvenir de la jeune fille, on revoit les conditions dans lesquelles le fils est mort. Il est mort, semble-t-il. Semble-t-il, on peut pas, tellement c'est affreux. Il est mort dans une espèce de rituel orgiaque. Démembré, lacéré. Sans doute, à mon avis, je ne sais pas si j'en suis presque sûr, mangé par ces jeunes amants de misère. Au son barbare d'une musique de bidonville, quand ils le poursuivent en tapant sur les casseroles avec la puissance du son qu'il y a parfois chez Mankiewicz. Pas puissance au sens de force, mais puissance au sens de l'efficacité. Bon. Je dis la pédérastie, ce n'était pas un dernier mot. Dans la narration falsifiante, je c'est d'avance, là. Tout énoncé renvoie à un autre sujet d'énonciation, etc., etc. Il y a encore, n'a-t-il pas été dévoré ? Qu'est-ce qu'il faisait ? C'était des rites de quoi ? Et en effet, au niveau du dernier flashback, tous les trucs qui étaient épars dans le courant du film et qui étaient sous forme de récit, c'est-à-dire les fleurs venimeuses, non, les fleurs, qui mangent les insectes, les fleurs carnivores, Le destin terrible des petites tortues des îles Galapagos qui courent la toute petite pendant que les oiseaux de proie se précipitent sur elles pour les manger, au point qu'en survit à peine une sur mille. Tout est repris pour indiquer qu'il y a en dernier lieu, par-delà, le secret pédérastique, qu'il y a un mystère cannibalique. Alors, bon. C'est à chaque fois des coudes. Ça peut paraître une narration unilinéaire, pas du tout. C'est à chaque fois le temps qui bifurque. C'est trois bifurcations fondamentales du temps. Et ça ne cessera pas de bifurquer. Au point qu'à la fin, la vieille mère, là, elle devient prodigieuse, tombée dans la folie ou dans une espèce d'hallucination. Elle emmène le jeune médecin qui a guéri la jeune fille et qui est amoureux de la jeune fille, etc. Elle emmène, mais il y a toute raison de se réjouir, c'est-à-dire ça ne va peut-être pas se passer si bien que ça, car feignant ou bien prenant vraiment le jeune médecin pour son fils ressuscité, elle l'emmène dans l'intérieur de la maison et on se dit qu'elle va évidemment le dévorer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire psychiquement, sinon physiquement, et que la bifurcation ne cessera pas de bifurquer. Et c'est comme ça aussi pour... Enfin, je pourrais prendre d'autres exemples dans Tout sur Ève. C'est évident qu'à chaque fois, les bifurcations d'Ève participent d'un temps de la bifurcation qui est perpétuellement le temps de Mankiewicz et qui précisément impose. Alors, vous voyez, j'ai développé ce sera autant de fait, j'aurais plus à le redévelopper. J'ai développé ce thème pour dire, attention, premier point, lorsque
lorsque nous parlons d'un renversement mouvementant, premier point, ça ne veut pas dire que le mouvement disparaisse. Ça veut dire quelque chose, à mon avis, de plus profond. Le temps renverse sa propre subordination au mouvement. C'est le mouvement qui devient subordonné au temps. Et deuxième point, ça ne veut pas dire l'image va se faire image de la mémoire. La mémoire va remplacer le mouvement. Ça veut dire tout ce qui est mémoire et l'image mémoire, ce que Bergson appellera si bien l'image souvenir. L'image souvenir dépend étroitement d'un être du temps qui reste à déterminer dans chaque cas. Donc, nous avons vu un cas, le temps qui bifurque chez Mankiewicz. Donc, en fait, c'est à la fois un renversement de la subordination du temps par rapport au mouvement et du temps par rapport à la mémoire. Si bien que nous en arrivons à ceci, mais vous devez ne plus en pouvoir, et moi-même je suis bien fatigué, nous en arrivons à ceci pour la prochaine fois. Double renversement du temps qui rompt sa subordination et au mouvement et à la mémoire. Et nous le suivrons chez deux auteurs qui n'ont absolument rien à voir. C'est pour ça que je vous invite à ne pas faire de mélange. Comment ça s'est passé en philosophie avec Kant? C'est Kant, il me semble, qui a renversé la subordination du temps au mouvement. Par quels moyens? Et du même coup, la subordination du temps à la mémoire. Et comment ça s'est passé sans aucun rapport? Ça va de soi. Un japonais qu'ancien est une chose impossible. Comment ça s'est passé chez Ozu? Avec c'est lui, il me semble, qui est le premier à imposer au cinéma le renversement de la subordination du temps au mouvement et par là même à dégager une espèce d'essence du temps. Mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on trouve le temps qui bifurque. Quoi que ce soit une notion presque japonaise, ce n'est pas le temps qui bifurque que d'après Borges. Et il se trouve que le Japon a tant de temps. C'est un tout autre temps. Voyez, alors, je voudrais que ce ne soit pas trop confus tout ça. Voilà où on en est. Hein. La prochaine fois, s'il y a des. Vous me direz, hein, réfléchissez, voilà, vous me direz la prochaine fois. C'est une merveille, ça. Il n'y a rien à dire là maintenant, hein, non.